Et bien salut tout le monde, c'est PodGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on va apprendre à faire ceci. Regardez, ce coffre-ci est bloqué. Regardez, quand j'essaye de tout simplement rentrer dedans, je ne peux pas. Il suffit tout simplement de prendre la clé et ensuite on pourra accéder au coffre et prendre par exemple l'épée. Et bien sûr, si on n'a pas la clé comme ceci, on ne pourra plus retourner dans le coffre. C'est vraiment magique. Donc les amis, pour faire ce système, ça va être très simple. Il va nous falloir tout simplement des comments blocks. Donc pour la commande des comments blocks, c'est encore très simple. Donc c'est hop comme ceci, give, et vous mettez votre pseudo. Donc là par exemple @s ou votre pseudo tout simplement. Là vous mettez command block comme ceci, vous entrez la commande, vous avez votre command block. Ensuite, ça va être très simple, les amis. Je vous mettrai de toute façon toutes les commandes, encore une fois, en description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'est parti pour le commencement. On va tout simplement mettre un command block ici et un autre juste ici. Voilà. En plein milieu, vous allez mettre, hop, ici, un comparateur. Et juste ici, vous allez mettre une torche de redstone suivie de un bloc de commande juste ici et un bloc de commande juste ici. Voilà, donc ce qui vous donne cette forme-ci. Ça va être très simple. Donc, pour les commandes, elles seront en description. Donc, je vous mettrai la première dans la description. Je vous mettrai aussi les commandes blocs, donc les options de les commandes blocs. Vous allez prendre le premier commande bloc qui se trouve ici. Vous allez rentrer dedans. Vous allez directement le mettre en repeat. Et là, vous allez mettre toujours actif. Et vous allez rentrer la commande que je vous mettrai en description. Donc, clip, clear, @p, tripwire, hook. Donc, ça, c'est tout simplement le tripwire, c'est tout simplement la clé. On va utiliser un tripwire. Et du coup, hop, c'est parfait. Voilà. Dans le deuxième ici, on va mettre une commande qui va tout simplement dire donc de mettre un effet sur un casque de shulker, tout simplement, sur la tête de shulker. Et là, on va aussi mettre en repeat et en always active, comme ceci. Donc, effet de invisibilité, comme ceci. Voilà. Dans celui-ci, juste en dessous, ben, vous allez mettre encore une fois tp@e, et là vous allez mettre type shulker, effectivement, voilà, donc hop, en repeat et always, et need redstone, pardon, donc ça c'est toujours repeat, et là need redstone, hop, comme ceci, et ensuite ici, vous allez mettre tout simplement tp@e, type shulker, donc le shulker tout simplement a une coordonnée très spéciale. Donc là on va laisser en impulse et need redstone les coordonnées. Bah ça va être très simple, pour activer les coordonnées vous savez comment faire, donc dans settings tout simplement, et normalement dans game ici vous avez jusqu'à descendre ici, voilà, et là il sera marqué show coordinate, vous activez et là normalement vous avez les coordonnées. Ensuite, les amis, ça va être très simple, on va aller prendre tout simplement les spawns de shulker, comme ceci, mais aussi, hop, tout simplement les tripwire, hop, voilà. Donc ça va être simple, vous voyez que quand j'ai le tripwire, cela s'allume, comme ceci, et si, hop, je vais jeter par exemple les tripwire par terre, regardez, cela, ça s'éteint tout simplement. Je vais faire spawn, hop, ici, un shulker box, c'est très important, donc tout simplement un shulker, pas un shulker box, donc ça c'est vraiment le mob. Et si je prends complètement, hop, directement, hop, les tripwire, il va se faire TP juste au-dessus du command block où on avait dit TP shulker à cette position-là, tout simplement juste au-dessus. Ensuite ici ça va être très important, on va devoir mettre des coordonnées comme je vous l'ai dit. Donc on va prendre notre coffre, hop, donc un chest comme ceci tout simplement. Et ensuite les amis, ça va être très très simple, on va mettre par exemple le coffre pas loin de là, juste ici. On va monter juste au-dessus du coffre et on va regarder la position. Donc ici on va se mettre bien au milieu, c'est 334 436, donc on va recopier la même position, 300 ici, donc juste ici 334 4 et 36, comme ceci, hop, voilà. On peut jeter les tripwires par terre pour réinitialiser le circuit, comme ceci, et ensuite on peut les reprendre et hop, c'est parti. Donc dans ce command box là, il y a les coordonnées du coffre comme ceci, donc du coffre de là-bas, et comme on a jeté les tripwires au sol, ça a réinitialisé le circuit et ça l'a mis en marche tout simplement. Du coup on va aller près du coffre
Vous voyez que quand ici j'ai le tripwire tout simplement dans mon inventaire, je peux tout simplement ouvrir mon coffre. Donc même si j'ai les mains comme ceci, je peux tout simplement ouvrir le coffre. Et on va mettre par exemple hop, hop, tout ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, si je veux jeter le tripwire par terre, vous avez vu, il y a eu une vitesse incroyable de téléportation. Je ne peux plus du tout ouvrir le coffre, vu que regardez, il y a la tête de Shulker qui est juste dedans. Et donc, on ne peut pas l'ouvrir, tout simplement. Donc, ça, c'est vraiment pas mal, tout simplement. Donc, dès qu'on reprendra, hop, les tripwire, on pourra ouvrir le coffre. Donc, ça fait vraiment office de clé et c'est vraiment pas mal. En tout cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me demander d'autres vidéos de ce genre dans les commentaires. Donc je vais essayer d'atteindre les 16 500 abonnés les amis avant la fin de cette semaine. Donc là à ce moment où je vous parle on est mercredi, donc n'hésitez pas à vous abonner, on va essayer d'atteindre les 16 500 abonnés. N'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPodGamer 172, allez bye tout le monde, ciao. I'm gonna go get some more.